Collection Cofragan présente L'Enfant Bouddha de Jacques Salomé. Publié aux éditions Albin Michel. Il est bien difficile d'être enfant quand les dieux de l'univers ont jeté sur vous Bien longtemps avant votre naissance, un regard aimant, vigilant et trop plein de bonnes intentions. Le petit Sidartan pressentait confusément les effets, car il vivait tel un prisonnier, dans l'immense palais de ses parents. Cela se passait au nord de l'Inde, près du Népal, aux racines de l'Himalaya, il y a environ 2500 ans. Toute son enfance, il allait la passer ainsi, enfermé dans les peurs et les désirs du roi son père, calfeutré dans les silences et les non-dits de tout son entourage, courtisans, serviteurs et même les amis. Et vous devez imaginer que le fils d'un roi puissant a très peu de véritables amis. Aussi était-il devenu très tôt, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, un grand rêveur, un créateur, un inventeur de possibles. Il fut un véritable artiste dans l'art de s'évader par la pensée, d'imaginer sa vie. Vous allez me demander, mais comment peut-on être prisonnier dans le palais d'un roi quand ce roi est votre père Vous le comprendriez mieux quand vous serez qu'un vieux sage. Au premier jour de la vie de Siddhartha, avait prédit quatre rencontres essentielles qui le détourneraient de son chemin de futur roi, quatre rencontres qui allaient risquer de le faire renoncer à sa couronne pour aller de par le monde prêcher la tolérance, l'amour universel et le respect de toute vie. C'est pour éviter cela, d'ailleurs, que son père, le roi Chudodana avait donné à tout l'entourage des consignes précises, sévères et absolues. Le petit prince Siddhartha ne devait jamais, au grand jamais, entrer en contact avec le monde extérieur. Aujourd'hui, je vais vous raconter les premières années de la vie de ce prince extraordinaire qui deviendra après avoir changé de nom, comme c'était la coutume de l'époque, Shakyamuni, puis le Bouddha. Toute l'enfance de ce prince fut marquée par cette attitude à la fois aimante, et oppressante de son père, et surtout, il faut le dire, par les mensonges et les silences de son entourage. Nous savons tous aujourd'hui que l'amour parental est fait de l'affection et de la tendresse donnée à un enfant par ses géniteurs ou ceux qui les remplacent pour lui permettre de grandir, pour lui permettre un jour d'aller de par le vaste monde. L'amour parental a ceci de particulier qu'il est offert sans contrepartie. Il prépare l'enfant à s'éloigner progressivement de ses parents pour construire sa propre existence en dehors d'eux. Mais les parents de Siddhartha voulaient à leur façon le protéger en lui cachant la réalité du monde extérieur, cette réalité qui se vivait à l'extérieur des murs du palais. Principalement son père, qui adorait son fils et allait non seulement tenter de le ligoter à son trône, mais qui voulait avant tout lui éviter difficultés, tristesse et souffrance. Il voulait le tenir à l'écart des réalités de l'existence, pour le protéger de la vie. Il se sentait la mission et le devoir de faire que son fils soit heureux à tout prix. Il arrive ainsi que certains pères se coupent sans le savoir de leurs enfants, tant les désirs qu'ils projettent sur eux sont grands. Cela arrive dans toutes les civilisations et à toutes les époques. Et comme beaucoup de pères, le roi Shudodana était persuadé de savoir à l'avance, ce qui était bon pour son enfant, il se sentait autorisé à penser, prévoir pour lui, à décider à sa place. Pourtant, plein de signes et d'événements inattendus auraient dû alerter le roi Shudodana, attirer son attention et le rendre peut-être moins exigeant, plus tolérant ou simplement plus ouvert aux ressources de son fils. Déjà, dans la façon dont ce fils était né. Comme le voulait la coutume de l'époque, il était prévu que l'enfant naisse chez ses grands-parents maternels. Les femmes d'alors n'allaient pas dans les cliniques ou les hôpitaux pour mettre au monde leur bébé, mais elles revenaient accoucher auprès de leur propre mère, dans la maison de leur enfance. Ainsi, le temps de sa grossesse terminé, la reine Maya Devi se mit en route vers la demeure de sa mère, avec l'intention d'y mettre au monde le bébé déjà lourd qui habitait son ventre depuis maintenant neuf mois. Le voyage devait durer huit jours, mais voilà qu'au troisième jour de marche, par des chemins poussiéreux et les plus tortueux, sur les premiers contreforts de l'Himalaya, elle sentit les contractions se faire plus pressantes, plus impératives. Comme si son bébé, à l'intérieur, manifestait déjà le désir de sortir exprimait sa volonté d'entrer dans le monde, en pleine nature, à la lisière de l'immense forêt indienne, près d'un lieu nommé Lumbini. Aujourd'hui, à l'endroit où naquit celui qui deviendra le Bouddha, se dresse un village nommé Paderia. C'est un lieu où depuis 25 siècles, beaucoup de pèlerins, des milliers d'hommes et de femmes à la recherche de leur vérité viennent se recueillir. Vous savez peut-être que naître, c'est quitter le chaud, le doux, le fluide et le bon du ventre d'une femme pour entrer dans l'inconnu, pour accoster ainsi à l'immensité de l'univers et plonger dans l'imprévisible de la vie. Naître, c'est apparaître nu, démuni, si vulnérable, simplement offert à l'amour et aux soins de ceux. Qui, nous ayant conçus, vont alors apprendre à devenir des parents, sans toujours y réussir. L'été était là, incandescent, splendide dans ses lumières opulentes, quand Maya Devi, ayant aperçu un arbre magnifique, demanda au cortège de s'arrêter pour se reposer dans son ombre. C'était un majestueux Jambu avec un tronc aussi grand qu'une maison, et des branches multiples, puissantes, disposées de telle sorte que chacune pouvait recevoir de la lumière et du soleil. Ce fut dans les bras de cet arbre sensible, sous lequel sa mère s'était allongée, que Siddhartha vint au monde, que Siddhartha vint au monde des hommes. C'était un bébé brun, couleur de pain d'épice, dont le regard noir si dense avait des reflets bleutés. Ses yeux semblaient agrandir le ciel et le prolonger bien au-delà de l'horizon. C'est d'ailleurs avec son seul regard que cet enfant devenu homme allait non seulement affronter, à vingt-neuf ans, le refus et la colère de son père opposé à son départ, mais qu'il allait aussi se confronter à l'immensité d'un monde qu'on avait tenté de lui cacher totalement. En effet, Siddhartha devenu Chakamuni, devait quitter le palais, sa femme car elle s'était mariée, son enfant car il était devenu père, il devait abandonner toutes ses prérogatives de prince et même de futur roi pour aller parcourir tout le nord de l'Inde à la recherche de sa propre vérité. Et à partir de 35 ans, et pendant près d'un demi-siècle encore, il allait prêcher et témoigner pour appeler, pour éveiller à plus de conscience des centaines puis des milliers d'hindous. Après sa mort, Survenu à 80 ans, des millions de disciples dans le monde entier suivirent ses traces. Il invitait inlassablement ceux qui l'écoutaient à se responsabiliser face aux événements, face à la souffrance du monde, face à leur choix de vie, face aussi à leur propre souffrance, parce qu'il voulait informer et proposer à chacun de découvrir la part de connaissance d'amour universel dont il était le dépositaire depuis la nuit des temps. la violence, contre l'injustice, le Bouddha offrira de l'amour sans relâche, sans compter. Un amour inconditionnel, un amour absolu, qui n'exigeait, ne réclamait rien en retour. Un amour gratuit. Dans chacun de ses engagements, il fera le don total de sa vie. Mais pour l'instant, c'était encore un bébé. Un bébé qui venait de naître sous un arbre dans les bras de sa mère. Je veux ici vous parler de lui avec beaucoup de tendresse, avec le plus de simplicité possible, pour tenter de le rapprocher, de le rapprocher de chacun, d'en faire un compagnon familier. Et déjà, je vais vous interpeller sur son nom, Siddhartha. Ça, ce n'est pas un nom banal. Cela veut dire en sanskrit celui par qui tout bienfait arrive. Je sais que certains le traduisent par celui qui est parvenu au but. Le but étant d'atteindre l'état de Bouddha, c'est-à-dire l'éveil, l'illumination. C'est l'état le plus recherché par tout bouddhiste. Un état de sagesse sereine et sans limite, de compassion extrême, c'est-à-dire d'amour et de liberté d'être. La liberté, la plupart des hommes la cherchent ou prétendent la chercher. Le plus souvent, ces hommes, apprentis chercheurs, ignorent que l'état de liberté suppose deux conditions primordiales la possibilité de choisir et donc de renoncer et la possibilité de se respecter dans le respect de l'autre. Le plus difficile dans la recherche de la liberté, c'est que parfois on la trouve. Siddhartha, comme vous le sentez bien, n'est pas un nom facile à porter pour un enfant qui se cherche. Vous savez, vous qui me écoutez, qu'un prénom est porteur de beaucoup de sens, d'intention, d'attente chez ceux qui vont le donner. Ainsi, un Éric n'a pas la même énergie qu'un Bruno, et une Nathalie ou une Clara n'ont pas les mêmes désirs qu'une Marine ou une Noémie. Dès le lendemain de sa naissance, tous les sages du royaume comme c'était la coutume à la naissance d'un fils de roi vers au palais pour offrir des paroles, des messages de vie au nouveau-né. Pas de cadeaux comme les rois mages d'une autre histoire, mais des mots, simplement des mots porteurs de vie et d'espoir, des phrases pleines et ouvertes sur les possibles et le devenir de cet enfant car en ces temps-là, on savait que les enfants, au-delà des soins et de la tendresse qui leur sont nécessaires, ont besoin aussi et surtout de mots, de paroles pour vivre. Oui, en ces temps-là, on savait que c'était avec des mots que naître accède au plein de son existence. Certains sages, parmi les plus âgés, dire au roi, Votre fils vous dépassera en grandeur et en sagesse. Oui, votre fils un jour vous dépassera en grandeur et en sagesse. Cette prédiction aurait pu rendre le roi jaloux, comme cela s'est vu dans d'autres histoires d'enfants célèbres. Mais chez le roi Chuchodana, ses paroles suscitèrent contentement et orgueil. Et voici ce qu'il pensa peut-être mon fils sera-t-il le conquérant heureux d'autres royaumes, et peut-être même un jour dominera-t-il toute la terre. Le roi Chudodhana ne pouvait imaginer que son fils ne deviendrait ni le maître de la terre entière, ni celui d'un royaume, mais un maître plus puissant encore. Il ne posséderait, ni ne régnerait, non pas sur un territoire, mais sur un immense espace ouvert en chacun de ceux qui le suivraient dans son enseignement. Il serait un maître à penser, un maître à vivre au-delà des empires, des frontières et même du temps. Il serait un maître aimé, honoré, durant plusieurs vies, plusieurs siècles et vraisemblablement encore pour plusieurs millénaires à venir. Aujourd'hui, le mot maître n'est guère estimé. Il désigne quelqu'un qui est censé dominer ou qui impose son point de vue. Il est souvent utilisé Péjorativement, pour nommer celui qui sait ou qui a toujours raison, qui dirige, qui domine parfois. Et pourtant, ce mot, dans son sens le plus profond, veut simplement dire celui qui permet d'aller à la découverte de soi-même. En effet, un vrai maître vous invite à rencontrer et à grandir le meilleur de vous. Il n'est là que pour nous rappeler l'amour, l'énergie et la connaissance essentielle que chacun porte en lui. Mais j'anticipe encore sur ce que deviendra plus tard ce garçon. Ce qu'il deviendra, nous le savons grâce à d'innombrables témoignages et au travers des paroles qu'il a transmises. Nous le savons aussi par les écrits de ses disciples par l'édification des temples qui attestent de la force de son enseignement. Nous le savons par la vie des moines bouddhistes qui continuent à parcourir le monde encore aujourd'hui. Vous en avez peut-être croisé sans toujours le savoir, car ils sont modestes, effacés, mais toujours ouverts sur leur prochain. Vous les reconnaîtrez à un signe qui ne trompe pas. Ils savent rire, rire à pleines dents et avec leur ventre, un vrai rire de bonté et de joie. Car un bouddhiste ne veut le mal de personne. Il porte toujours avec lui sa seule richesse, une joyeuseté profonde envers tout ce qui est vivant. Dans mes nombreuses lectures sur la vie du Bouddha, j'ai trouvé peu de choses concernant sa jeunesse. J'ai eu cependant un sentiment un peu désagréable, l'impression que son enfance, que son enfance lui avait été volée, qu'on lui avait offert une vie feutrée de tapis rouge où tout fut organisé pour lui épargner les quatre rencontres que craignait tellement son père. Une enfance apparemment paisible habillé de soie et d'or, rehaussé de pierreries, une enfance où la misère, le combat des plus démunis pour survivre, l'injustice des possédants, les inégalités, la violence aveugle, des guerres, semblaient n'avoir jamais existé. J'eus le sentiment que le petit fils d'Arta avait eu une enfance trompeuse, d'où toute parole vraie avait été absente, et donc qu'il avait eu peut-être, malgré les apparences, la pire des enfances. Or, un enfant a besoin non seulement de se dire et d'être entendu, mais d'être confronté à la réalité. Tout enfant a besoin d'une relation claire avec ses proches, une relation dans laquelle puissent circuler des échanges, des partages, alors que la plupart des adultes pensent qu'il suffit d'aimer un enfant pour le rendre heureux. Certains pensent que l'amour ainsi donné rend les enfants sages et obéissants. Siddhartha a vraisemblablement reçu beaucoup d'amour, car c'était un bel enfant facile, gentil, loyal. Il lui manqua seulement de se confronter aux réalités de l'existence. Et le grand mérite de cet enfant, je peux vous le dire aujourd'hui c'est d'avoir osé résister, d'être sorti du monde des apparences que sa famille avait construit pour lui et autour de lui. Un enfant qui a choisi de refuser avec intrépidité et loyauté la facilité, le pouvoir, les avantages de la richesse, il a eu le courage de ne pas tout accepter sans maudire, de s'interroger, de s'opposer. Il eut l'audace de dire non à un père trop aimant, un père trop aveuglé par des croyances et des idées toutes faites, celles qu'il avait reçues lui-même de ses propres parents et de son milieu. Je voudrais dire mon enthousiasme pour un tel enfant et vous le présenter non comme un modèle ou avec une image d'épinal, mais comme un témoignage que je souhaite le plus vivant possible. Je vais m'approcher de lui, le visualiser, le côtoyer. Je vais entrer dans la vie de cet enfant à différents moments de son existence. Je vais tenter de vous montrer un enfant de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans, qui ne sait pas encore qu'il deviendra, ou peut-être qu'il est déjà le Bouddha. Exemple, un matin m'éveillant, je l'imaginais à six ans, jouant aux osselets. Je le vois assis sur ses talons, avec cinq osselets éparpillés sur le sable d'une cour intérieure. Un osselet jeté en l'air, pendant que d'une seule main, il va ramasser un, puis deux, puis trois, puis les quatre autres osselets. Ce matin-là, il inverse les règles du jeu, il jette en l'air. Quatre osselets et ramasse le seul resté à terre. Mais je vois aussi un enfant plein de questions, car il est plein de questions cet enfant de roi. Peut-être savez-vous que quand un enfant pose une question, c'est qu'il sait déjà des choses sur la question qu'il pose. Seulement, il veut en savoir plus, plus profondément. Il veut savoir ce qu'il y a derrière la question. Au fond, une question chez un enfant n'est souvent qu'une amorce pour tester l'écoute des grands. Si l'adulte ne lui répond pas tout de suite, s'il écoute bien la question et vous invite à en dire plus, alors vous savez et reconnaissez que vous avez devant vous quelqu'un qui peut entendre les interrogations qu'il y a sous votre question interrogation souvent essentielle et vitale pour vous. Une question n'est que l'embryon d'une interrogation, et les enfants, au-delà des réponses qu'ils reçoivent, veulent surtout que leur interrogation soit entendue. Oui, les enfants sont pleins d'interrogations sur leurs parents, sur le monde qui les entoure, sur quelques-uns, des mystères de la vie. Autour d'eux, la vie est un immense chantier, un incroyable pulse à reconstituer. Ce matin-là, voici ce que disait Siddhartha. C'est toi qui aurais dû être mon grand-père, disait-il à Chatriya, le plus vieux et le plus habile des jardiniers du palais. Toi, tu ne réponds pas trop vite à mes questions par une explication. Tu ne te dérobes pas non plus. Tes réponses ne m'enferment pas. Au contraire, elles m'ouvrent et m'agrandissent. Si je te demande, est-ce qu'il a mal l'arbre quand tu lui coupes des branches Ou encore, est-ce que les pierres respirent Toi, tu me regardes longuement et de ton silence invitant, tu m'encourages avec les yeux à laisser cheminer ma question à moi. Tu laisses éclore et fleurir les idées et les interrogations qui s'y cachent. Alors je peux te dire plein de choses, tout ce qui me passe par la tête et que je porte parfois à moi en silence depuis plusieurs jours et même des fois depuis des semaines. Puis tu prends le temps de me répondre. Je ne sais pas si les pierres respirent ou si les arbres ont mal. Je me suis interrogé aussi, et voici ce que j'ai découvert. Alors là, cela devient passionnant. Quand tu partages à ton tour tes interrogations, tes découvertes, je t'écouterai durant des heures. Quand tu commences et que tu me dis, je ne sais pas, je sens un frémissement de plaisir, car je vais découvrir plein de possibles. Chatria, tu es mon maître préféré. Mon maître préféré pour l'instant, car tu ne m'enfermes jamais avec des certitudes ou dans des réponses toutes faites. Tu me laisses chercher à moi les chemins qui sont les miens, et alors je me sens grandir. Siddhartha disait cela avec une certaine tristesse dans la voix, car ce n'était pas ainsi qu'il vivait ses autres rencontres autour de lui, il n'y avait pas de réponse à ses questions, il n'y avait que du silence, et quelquefois, il le sentait confusément, des mensonges. Alors, le plus souvent pour réfléchir, il s'éloignait et se réfugiait dans un arbre extraordinaire, un arbre qui possédait des racines aériennes qui semblaient descendre du ciel, un bagnant. Cet arbre était le seul domaine personnel qu'il possédait. Il y cachait ses trésors et ses rêves. Siddhartha, comme vous le savez, vivait sur les contreforts de l'Himalaya. Il n'avait jamais vu la mer. Aussi gardait-il précieusement une gravure finement décorée sur une feuille de pupale. L'artiste y avait représenté l'océan comme un espace rond d'un bleu profond. Des poissons et des monstres marins habitaient ce monde. Et une jonque chinoise traversait le ciel en emportant avec elle des éléphants. Cette gravure faisait rêver Siddhartha et le plongeait dans une immensité de réflexion. Ainsi, un univers totalement inconnu existait hors du royaume. Dans ces moments-là, son esprit lui paraissait trop étroit, trop petit, pour contenir toutes les découvertes extraordinaires qu'il avait envie de faire. Il faut que je vous dise aussi qu'en ce temps-là, la journée d'un prince se partageait en quatre périodes principales. Le sommeil et les repas, les jeux, l'apprentissage des droits et des devoirs d'un futur roi, et surtout les arts de la guerre. Le sommeil d'un enfant est important, non pour le repos qu'il procure au corps, mais parce qu'il est chargé de rêves. Les rêves sont des messagers infatigables qui transmettent des informations essentielles sur notre relation à l'univers, sur notre histoire et aussi sur les territoires secrets qui nous habitent. Un jour, Siddhartha avait surpris sa mère, ou celle qu'il croyait à ce moment-là être sa mère, Maha Prajapati, dans son sommeil. Elle était assise assoupie dans un salon désert, la tête renversée, la bouche ouverte, dans un sommeil de début d'après-midi. L'enfant la regardait. Il entendit un nom sortir de la bouche de l'endormi, un nom qui n'était pas le sien, un nom d'enfant venu du lointain des désirs de cette femme, un nom d'enfant qui ne viendrait jamais au monde, qui ne s'incarnerait pas dans son ventre. En entendant ce nom, qui ne lui était pas destiné. Siddhartha eut le sentiment qu'il avait pris la place de quelqu'un. Quand Ma Prajapati s'éveilla, l'enfant s'enfuit, emportant en avec lui l'image d'un visage, d'un visage baigné d'un amour infini. Il savait tout au fond de lui que cet amour ne lui était pas destiné, car il appartenait à un autre qui n'était jamais venu au monde. Ainsi naissent en nous les premières blessures que tout être humain tente de cacher ensuite au plus secret de ses défenses. La mémoire du premier abandon, de la première trahison, du premier refus entendu comme une mise en doute de notre existence et parfois même comme un rejet de notre personne. Avant cette découverte, L'acceptation des êtres chers nous paraît inconditionnelle, éternelle, puis quand le voile se déchire, cela laisse place à une solitude immense qui nous terrifie pour la vie. Combien d'enfants vont ainsi combattre cette blessure originelle en se durcissant, en refusant les émotions, en éliminant les sentiments trop puissants susceptibles de les emporter jusqu'aux rives de leurs premières amours. Certains matins, par exemple, Siddhartha s'éveillait avec une immense fatigue dans les yeux, une envie de pleurer sans pleurs, comme si les larmes étaient à l'intérieur des paupières, des larmes sèches, un peu acides, qui piquaient jusqu'au fond des orbites. À ce moment-là, dans sa vie d'enfant, il n'avait pourtant aucune raison d'être triste, il avait tout pour être heureux, comme on aurait dit dans son entourage, mais lui sentait s'agiter dans son corps, dans sa tête, un bouillonnement chaotique. Cela lui laissait plein de confusion, de doute et de malaise, sans qu'il puisse l'exprimer clairement. À qui parler, à qui révéler les souvenirs, les sensations anciennes et les images qui l'habitaient et qu'il avait du mal à faire sienne, à qui parler de toutes ces sensations diverses, mêlées de peur, de colère, d'espoir sans nom, ou d'attente inespérée. Siddhartha affrontait là sans le comprendre toute la mémoire de ses oublis, et peut-être les échos affaiblis, mais présents en lui, de toutes ses vies antérieures. Pour être confirmé dans ses droits de prince et aussi dans ses devoirs, destiné un jour à gouverner à la suite de son père, il lui fallait aussi apprendre les principales connaissances humaines de l'époque. Siddhartha avait un précepteur, spécialement attaché à sa personne, qui s'appelait Arjuna. Avec cet homme, Siddhartha a pris le sens de la fidélité, de l'engagement et du respect de soi. Arjuna ne faisait aucun geste qui ne soit en accord avec l'espace qui l'entourait. En sa présence, Siddhartha sut que la beauté est d'être accordée au monde. Arjuna était chargé de lui apprendre l'art de réfléchir, de bien parler, de commander, de juger rapidement et surtout de savoir prendre des décisions qui lui permettraient plus tard de rendre la justice, de gouverner un royaume, ou de veiller à la paix de son pays. Un autre point important de l'éducation d'un prince, qui commençait à sortir de l'enfance à six ans, était l'apprentissage des armes et des arts martiaux. Siddhartha ne se dérobait pas à cet enseignement, car il le vivait comme un véritable jeu. Il ne le voyait pas débouchant sur la violence et sur la mort, mais ouvrant sur la maîtrise de soi, dans la recherche d'un accord miraculeux entre un sabre, une fronde ou un arc et le but à atteindre. La cible n'était pas un ennemi, mais un dépassement de soi-même. Son maître, un art martial, lui enseigna la manière de se dominer et non de tuer. Par exemple, tendre l'arc, sentir le bois résister et gémir, puis se plier, se courber avec un craquement profond et fluide, allonger toutes ses fibres à la tension de la corde vibrante, entendre et voir la flèche s'élancer, puissante pour devenir fragile comme vulnérable à l'approche de la cible. Ce que Siddhartha aimait surtout, c'était la lutte, quand le corps à corps se prolongeait avec des rires pleins les mains, pour s'ouvrir sur les enthousiasmes et les plaisirs multiples de la vie. Au jeu de sabre, il préférait celui de la course à cheval. Pour lui, c'était chaque fois une fête, jusqu'au jour où il découvrit, au bout d'une chevauchée sans fin, les hauts remparts qui protégeaient le palais du reste de la ville. Il avait sept ans lors de cette découverte. Jusqu'alors, son univers avait été fait d'espaces balisés, définis, entretenus, balayés chaque jour par une foule de domestiques et de serviteurs souriants. Le seul horizon sans limite qu'il connaissait était le ciel. C'est pourquoi Siddhartha s'intéressa très tôt aux oiseaux et développa ainsi l'art de s'envoler très loin par la pensée. Il devint un grand rêveur, ce qui lui joua parfois des tours et devait le desservir plus tard dans son travail de méditation. Car le propre du de méditation, c'est justement d'empêcher l'esprit de vagabonder, d'empêcher le mental de s'évader dans l'illusion des pensées créées par nos propres effrois, et de rester trop ancré dans le réel. Gardez l'esprit calme, amarré, fixé sur le vide, sur un point absolu jusqu'à ne rencontrer que la lumière pure, celle de la connaissance infinie que l'on rejoint quand rien ne différencie plus la question qui nous habite de la réponse. Contrairement à ce que beaucoup croient, la méditation est une activité très dynamique, même si elle se passe dans l'immobilité la plus absolue. Beaucoup d'Occidentaux conçoivent difficilement que méditer est une riche et puissante activité mentale qui peut changer quelque chose dans notre relation au monde, qui peut déplacer des forces et ainsi nous relier au plus essentiel, à l'énergie vitale de l'univers. Les Occidentaux ont préféré un autre chemin, celui de la conquête de la domination, de l'asservissement du monde extérieur, en ignorant pratiquement tout du monde intérieur, et surtout, surtout, en méconnaissant les chemins qui permettent d'établir des relations d'harmonie avec l'ensemble du cosmos. Ainsi pourraient se comprendre aujourd'hui quelques-uns des malentendus que nous avons, nous, avec la planète Terre déséquilibre écologique, violence sur les forêts et les rivières, appauvrissement des relations avec la nature, désertification et famine dans de nombreux pays du globe. Mieux comprendre aussi ce paradoxe que c'est dans les pays surdéveloppés économiquement que naissent les Sahel relationnels. Oui, avec un véritable appauvrissement de la convivialité du désir de faire ensemble, une sécheresse du cœur et un vide de l'espérance dans les grandes villes qui sont aujourd'hui de véritables jungles. de Siddhartha. La religion des Brahmanes dominait. Elle enseignait que l'âme est immortelle et qu'elle ne quittait une forme corporelle que pour s'introduire dans une autre plus élevée ou inférieure selon les vertus et les qualités développées lors de son précédent passage sur terre. Siddhartha, dont vous connaissez l'esprit éveillé, s'interrogeait. Mais s'il y a de plus en plus d'hommes et de femmes et d'animaux sur la terre, comment alors peut-il y avoir assez d'âmes pour chaque corps Comment peut-il y avoir assez d'âmes pour que chaque corps ait une âme Et que deviennent alors les corps qui ne trouvent pas une âme pour les habiter Y aurait-il des corps sans âme Les enfants aiment ainsi poser des questions qui bousculent la logique et le savoir des adultes. Mais si Dartha, il faut vous le rappeler, était un enfant, il avait aussi d'autres préoccupations. Il s'intéressait aux filles, et surtout à la différence qu'il percevait plus ou moins clairement entre les filles et les garçons. Peut-être est-ce une différence qui vous interrogeait aussi quand vous étiez enfant. C'est à sa meilleure amie, Sitka, qu'il demanda un jour. Montre-moi ce qu'il y a sous ton sari. La petite fille n'était pas encore à l'âge de la pudeur, quand l'innocence perdue nous donne parfois honte de notre corps. Elle le regarda intensément, approuva silencieusement de la tête, leva lentement son sari, et découvrit ainsi son ventre rond et lisse. Siddhartha fut dans un premier temps stupéfait, effaré, puis dit avec une évidence sans appel, Mais, mais tu n'as rien? Ce rien résonna longtemps, longtemps. Sitka avait maintenant le regard fixe sur ses pieds. Ses lèvres se pincèrent. Un tremblement perceptible agita ses joues. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle sentait confusément en elle le désespoir de ne pouvoir nommer ce qu'elle avait sans pour autant pouvoir dire qu'elle n'avait pas rien. C'est terrible pour un enfant de ne pas savoir mettre des mots sur ce qu'il ressent, mais le plus épouvantable, c'est de se laisser définir par l'autre. D'être enfermé dans son ignorance d'être enfermé dans les croyances qu'il a. Siddhartha lui aussi éprouva un malaise. Il pressentait qu'il avait commis une injustice, sans savoir vraiment laquelle, car personne n'avait appris à ce fils de roi que le sexe des filles se vit à l'intérieur, qu'il peut rire, chanter, se gonfler, et même parfois pleurer. Personne lui avait parlé de la différence des sexes et ainsi il découvrait cette différence, fasciné par un mystère qui lui échappait et en même temps troublé par un mélange d'attirance et d'inquiétude. Si cette petite fille n'avait rien, c'est peut-être que son sexe lui avait été alors enlevé un jour quand elle était toute petite. Alors le sien, à lui, pourrait peut-être aussi lui être enlevé dans son sommeil, par exemple. À dater de ce jour-là, Siddhartha eut des peurs, comme tous ces enfants qui ne voulaient pas s'endormir le soir, refusant qu'on les laisse seuls, craignant ce qui pourrait arriver dans leur sommeil, et si on m'enlevait quelque chose pendant que je dors. Cet événement Eut plusieurs conséquences dans la vie de Siddhartha. Deux conséquences immédiates. Tout d'abord, Sika ne revient plus jamais jouer avec lui, comme elle l'avait fait tant de fois. Puis, durant quelques mois, Siddhartha se mit à retenir son sexe à deux mains, comme pour vérifier qu'il était toujours là. Vous savez qu'à cet âge, les petits garçons vont souvent aux toilettes. On croit que c'est pour leurs besoins, mais souvent, c'est surtout pour vérifier que leur sexe est toujours là. Siddhartha s'en assurait si souvent qu'un jour, le jardinier, Chatria, posa sa main sur sa poitrine, le serra doucement contre lui, puis dit avec beaucoup de gentillesse et de délicatesse, car il savait qu'il ne faut jamais blesser personne sur ce sujet. Tu as peur, hein Tu as peur que ton zizi tombe tout au fond de ta culotte Et Siddhartha, qui avait une grande confiance en cet homme, de répondre avec beaucoup de simplicité et une grande gravité, C'est vrai, j'ai peur qu'il ne s'envole pour toujours. Une autre conséquence du malentendu qu'il avait vécu avec Sika fut que Siddhartha, devenu le Bouddha, ouvrit son enseignement aux femmes. À l'encontre des habitudes de l'époque, selon lesquelles seuls les hommes pouvaient avoir accès au savoir et au sacré, le Bouddha accueillit toutes celles qui souhaitaient aller à la recherche de leur vérité. La caste des brahmanes et la plupart des religieux pensaient jusque-là que la relation au divin était surtout une affaire d'hommes. Le Bouddha témoigna ainsi de la place à part entière qui revenait aux femmes. Les historiens recherchent souvent dans la vie des grands hommes des explications très compliquées pour justifier leurs idées, leurs comportements, les théories qu'ils ont développées, alors qu'il suffit parfois d'écouter et d'entendre l'histoire de leur enfance de les relier à ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse pour comprendre les actes visibles et moins visibles de leur propre vie. Et quand Siddhartha se maria plus tard, il découvrit qu'à cet endroit, les femmes n'avaient pas rien, mais au contraire, quelque chose de très intéressant. Dans une autre époque de sa vie d'enfant, Siddhartha douta que ses parents fussent ses parents. Quelquefois le soir avant de s'endormir, il pensait ⁇ Oh, ils ont dû me trouver ou peut-être même m'acheter ⁇ Et si mes vrais parents attendaient chaque soir mon retour Vous savez, vous qui m'écoutez, que beaucoup d'enfants ont des interrogations sur leur origine. D'où est-ce que je viens Est-ce que je ne me suis pas trompé de vie ou de parents Est-ce que je ne les aurais pas choisis par erreur Et comment mes parents ont-ils su que c'était moi, que c'était vraiment moi leur enfant Vous pensez peut-être que j'exagère, mais ce sont pourtant de vraies questions que tous les enfants du monde peuvent parfois se poser sans toujours trouver de réponse, car il est difficile d'oser dire à ses propres parents qu'on en doute d'eux, qu'on se demande s'ils sont vraiment nos parents. Heureusement, l'enfant Siddhartha savait s'appuyer sur un immense pouvoir, celui de rêver pour affronter les incohérences et les contradictions de sa propre vie. Chaque matin, par exemple, avant d'ouvrir les yeux, il savait qu'il y avait un immense espace extensible, infini, bien à lui, celui du territoire merveilleux, fragile et sans cesse renouvelé de son imaginaire. Un royaume plus vaste que celui de son père, dont il était le maître unique. Et incontesté. Son imaginaire, un territoire fait de temps et d'espace qu'il pouvait amplifier ou diminuer par sa seule respiration, par un seul clignement de paupières. Dans ce royaume qu'il recréait chaque matin ou chaque soir, il s'inventait des rencontres. Vers l'âge de sept ans, il s'était inventé un ami, un ami qu'il avait créé de toutes pièces, un enfant du même âge, vivant seul dans un arbre et sans personne pour l'aider à survivre. Mais Siddhartha avait surtout imaginé que cet ami n'avait qu'un seul ami, lui, Siddhartha, un ami à la vie, à la mort, un ami qui serait toujours son ami. Certains matins, Siddhartha l'appelait par la pensée, et aussitôt, cet ami arrivait et ils partaient ensemble en promenade et durant ces promenades ils pouvaient tout se dire. De loin on aurait pu croire qu'un seul enfant marchait dans les allées du parc et de près on aurait entendu alors un dialogue, Sidartha jouant les deux rôles, le sien et celui de l'ami, avec des échanges très vivaces, ponctués de gestes, d'arrêts imprévus, de soins arrière, de plaquages au sol ou de brusques démarrages, tels ceux d'un cheval fougueux. Siddhartha, dans ces moments-là, disait à son ami ce qu'il aurait à faire pour la journée, pour la semaine. Parfois, cet ami qu'il avait inventé devenait un justicier. Un justicier chargé de réparer les erreurs du jugement du tribunal de son père. En effet, comme prince, une fois par semaine, Siddhartha participait dans la salle du trône à ce qu'on appelait alors le temps de justice. Quand son père, assisté par des conseillers, tranchait dans un débat, réglait les litiges qui opposaient deux grands ou deux petits, ou plus fréquemment encore un petit et un grand, il avait compris très tôt que souvent le petit ne recevait pas le jugement qui l'aurait aidé, ou qui l'aurait innocenté. Car le grand, bien défendu par le chambellan, ou par un grand seigneur proche du roi, obtenait plus facilement gain de cause. Alors Siddhartha avait pris l'habitude d'appeler son ami, et celui-ci lui disait ce qu'il aurait pu faire pour disculper, aider, ou même réparer les torts infligés à celui pour qui la justice avait été injuste. Il tentait alors de compenser l'arbitraire et l'aveuglement des adultes au profit des plus pauvres, des plus démunis. Il découvrit, Siddhartha, que la justice n'est pas dans les parts égales, mais peut-être paradoxalement dans les parts inégales, car chaque être est unique et à des besoins différents et variés. En grandissant, Siddhartha comprit que même ses rêves les plus extraordinaires ne pourraient combler toutes les injustices des hommes, qu'il faut pour changer vraiment, pour devenir soi-même un agent de changement, des actes plus concrets, des choix de vie plus personnels, une affirmation plus déterminée. Ainsi, l'enfant Siddhartha ne savait pas que sa véritable mère était morte seulement sept jours après sa naissance, et que c'était la sœur de celle-ci, en fait sa tante, Maha Prajapati, aidée par de nombreuses servantes, qui l'avait élevée. C'était elle que le petit Siddhartha, rappelez-vous, avait surprise dans son sommeil, exprimé dans un demi-rêve son désir d'un enfant à elle, un enfant qu'elle n'aurait jamais. Ainsi, Siddhartha avait eu une mère de remplacement, une mère de cœur, mais quelque chose l'étonnait chaque fois qu'il était question de Ma Devi, sa véritable mère. Les bruits du palais semblaient se ralentir. Les chuchotements s'arrêtaient, même son père devenait plus évasif, et surtout manifestait une irritation cachée, mais réelle, une colère rentrée. L'enfant s'était même demandé si son père ne le rendait pas responsable de la mort de sa mère, si son père ne gardait pas du ressentiment vis-à-vis -vis de lui, son fils unique, pour la perte de sa femme bien-aimée. En fait, le roi pensait qu'il ne fallait pas parler de cette mort, que parler du malheur vécu risquait de réveiller une souffrance, de remettre à jour des douleurs anciennes. Comme beaucoup d'hommes, il croyait qu'il faut taire ses sentiments, qu'il faut éviter de montrer ses émotions, qu'il faut être fort dans le malheur. Et cacher sa vulnérabilité, presque comme une tare. À travers tous ces silences, à travers tous ces non-dits, le petit Siddhartha avait du mal à trouver des repères, à percevoir une cohérence dans un environnement trompé d'interdits, de silences, de non-dits, de faits tronqués. Bien plus tard, il devait se souvenir de tout cela. Et l'année de ses seize ans fut décisive, car vous le savez, le passé ne peut s'oublier, il ne fait que se déposer au fond de nous. Il s'endort parfois pour s'éveiller et remonter à la surface à l'occasion d'un événement déclencheur ou d'une circonstance révélatrice. À seize ans juste, juste sept jours après son anniversaire. Une sensation douloureuse l'éveilla une nuit, et pour la première fois, il constata que le garde qui le veillait dormait debout, les yeux grands ouverts. Siddhartha sentit un élancement comme un coup de poignard dans sa poitrine, dans la région du cœur, et resta ainsi longtemps immobile, écrasé, écoutant cette douleur sans nom. Tout était silencieux, seul. Le coissement des grenouilles dans les nombreuses fontaines du parc traversait la nuit. Rien ne bougeait dans le palais. Il n'entendait que cette douleur immense qui traversait sa poitrine. Puis il se rendormit et fit un rêve où une femme très belle s'approchait lentement, lentement de lui, se penchait, l'embrassait doucement, doucement avec une douceur infinie, promener ses lèvres douces sur ses deux yeux et murmurer, Voici le temps de t'éveiller. Oui, voici venu le temps de s'éveiller et de savoir, ce temps est arrivé. Le lendemain au réveil, Siddhartha se rappela ce rêve et commença à établir ce qu'on pourrait appeler une reliance, c'est-à-dire un pont, une passerelle, un passage entre des faits de sa vie qui, isolés, n'avaient aucun rapport entre eux et qui, pourtant, quand ils étaient rapprochés et reliés ensemble, s'éclairaient d'un sens nouveau donner une consistance à un ressenti, confirmer une intuition. Il relia la douleur de sa poitrine qu'il avait ressentie la veille dans son sommeil au fait que sa mère avait exactement 16 ans quand elle était morte, le septième jour après sa naissance. À partir de ce jour-là, une infinie tristesse l'habita. Une multitude de détails lui revenaient en mémoire. Des images, des sensations prenaient corps, des sentiments confus devenaient des certitudes. Tout au long de sa vie d'enfant, il avait peu à peu enfoui et englouti dans la mémoire de ses oublis une multitude de souvenirs. C'est ainsi que nous sommes faits, nous, les hommes. Nous engrangeons les événements vécus et avec eux, les mots, les images, les sensations et les émotions qui les colorent, les animent et les parfument. Ils se déposent alors dans l'immense fidèle et indestructible réservoir de notre corps, où ils peuvent demeurer parfois longtemps, comme en hibernation, avant de s'éveiller, et puis un jour, de surgir, sans crier gare, dans l'inattendu d'une rencontre, d'un incident parfois fortuit ou d'un moment privilégié au prolongement fécond. Ce jour-là, pour Siddhartha, ce fut comme si un voile se déchirait. Ses sens semblaient décuplés, ses yeux s'ouvraient, il découvrait avec stupéfaction tout ce qu'on lui avait caché de la vie. Les certitudes enseignées s'effondraient. Il entendait enfin les silences, les réponses évasives qui se dévoilaient, les faux rires qui se déclenchaient jusqu'alors quand il tentait de parler de l'essentiel de sa propre histoire. Tout cela s'effritait, s'effilochait, se désagrégeait. Il comprit mieux pourquoi, au palais, depuis la mort de sa mère, à laquelle était venue s'ajouter la prédiction du sage dont je vous ai parlé au début, il était défendu de mentionner les quatre rencontres interdites. La rencontre avec la violence de la naissance, la peur de la souffrance, le désarroi de la vieillesse et l'inconnu de la mort. Oui, Siddhartha vit bien une mère de remplacement, douce, aimante, dévouée, avec des gestes semblables à celles d'une mère. Mais ses gestes n'avaient pas eu le même goût, pas la même odeur, pas le même rythme que ceux qu'il avait connus dans son corps de bébé durant les sept premiers jours de sa vie avec sa propre mère, durant le temps où elle était encore en vie. Il retrouvait ainsi dans son corps la trace laissée par la violence de l'abandon, la perte d'une odeur, la disparition d'intonations, unique il se sentait déchiré par les cris du silence qui habitait un petit bébé dont la mère venait de mourir il comprenait aussi combien le silence des mots engendre trop souvent la violence des mots M -X. combien la peur de rencontrer les blessures cachées de notre histoire entretiennent des souffrances très tenaces du corps et de l'esprit. À dater de cette expérience, Siddhartha ne fut plus le même. Il devint plus sérieux, grave, comme plus mature. Sa joyeuseté disparut. Son regard se fit plus lointain, absent. Il s'isola, marqua encore plus sa différence. Avec son adolescence, Siddhartha entra en solitude, refusant de parler, de participer à la vie sociale et mondaine du royaume. Il disparaissait des journées entières. Par une fin d'après-midi, à l'heure où le soleil paraît suspendu dans un berceau de lumière rose au-dessus de collines, il scrutait l'horizon de tous ses yeux. Recueilli, qui cherchait une issue à sa tristesse. Il sentit une émotion intense l'envahir. Un voile s'ouvrait, se déchirait plutôt à l'intérieur de lui, libérant une succession d'images oubliées. Puis une scène s'imposa progressivement, occupa tout l'espace de sa pensée. Et il retrouva un souvenir très ancien un souvenir de ses dix ans. Un jour, en sortant du bain, il s'était légèrement assoupi au bord du bassin bleu. Il avait alors eu le sentiment étrange de changer d'état, la sensation intense de se dédoubler, d'être à la fois couché sur le dos, percevant tout près le clapotis de l'eau. Et à même temps d'être ailleurs, dans un espace nouveau, aux contours et aux paysages pourtant familiers, il se reconnut à l'intérieur d'autres vies, des vies très anciennes et cependant toutes proches, des vies multiples qui semblaient à la fois avoir été les siennes et appartenir en même temps à d'autres mondes. Il se rappelle être revenu de cette expérience tout tremblant, épuisé, bouleversé. Cette expérience avait été trop violente pour qu'il puisse la comprendre et l'intégrer ce jour-là. Elle arrivait trop tôt dans son existence d'enfant. Il avait tenté d'en témoigner auprès de son vieux jardinier, Chatria. Celui-ci lui avait raconté ce qu'il savait. Des vies antérieures et de ce qu'on appelait à l'époque la réincarnation. De tout temps, les hommes se sont interrogés sur la mort. Qu'y a-t-il après? Que devient l'âme et où va l'énergie vitale qui habite un corps tant qu'il est vivant Chhatriya avait entendu parler du passage, du souffle de vie qui va d'un corps mourant. Dans un corps à naître, de la transmission des actions positives et négatives, et aussi de la quête d'informations qu'il appartient à chaque être d'entamer pour se reconstituer comme une personne unique. Mais Kshatriya ne pouvait guère en dire plus, si ce n'est d'insister auprès de Siddhartha sur la responsabilité de tout être humain envers chacun de ses actes, des plus ténus, des plus simples et des plus concrets jusqu'aux plus grandioses et aux plus méritants. Il fut un des premiers dans la vie du prince à lui apprendre que chaque acte a un sens dans le mouvement de l'univers. Voici ce qu'il lui dit. Aucun acte ne s'évapore. Chaque action laisse une trace et s'inscrit ainsi dans le mouvement sans fin de la vie. Quand tu regardes le vol d'un papillon, quand tu t'écartes pour ne pas briser la toile d'araignée, quand tu lèves la main pour te protéger du soleil, tu participes à l'harmonie du monde, tu alimentes les vibrations infimes de la vie et tu te rattaches ainsi à tout ce qui t'a précédé, te traverse et te prolonge. Tu es à la fois différent de l'univers et tu es aussi l'univers. Oui, chaque acte, chaque événement, chaque parole, chaque pensée a une place. Mais si chacune a de la valeur, elles ne sont pas à mettre sur le même plan. Et le difficile pour un enfant, pour un adolescent et plus tard même pour un homme sera de mettre des priorités, de reconnaître où sont ces priorités dans une séquence de vie donnée. Chaque homme, un jour, rencontrera sur son chemin cette interrogation. Quelles sont mes priorités de pensée et d'action quelles sont mes priorités dans mes choix de vie? Quelles sont mes priorités dans chacun de mes actes? Kshatriya avait conclu ce jour-là sur l'importance de ne pas juger les actes d'autrui. Celui qui pose un acte qui te blesse ou qui te déplaît tente lui aussi à sa façon de se relier au monde, qu'il en connaisse les conséquences apparentes ou qu'il en ignore les suites les plus lointaines. C'est sa façon à lui, à ce moment-là, avec ce qu'il croit être, de s'inscrire dans l'immense mouvement de la vie. Chudodhana fut très déconcerté et fort préoccupé par le changement de comportement et de caractère de son fils. À 19 ans, ce n'était plus un enfant, mais un jeune adulte, susceptible de s'engager, de prendre des responsabilités dans l'avenir du royaume, devant les attitudes de retrait, les évitements et les fuites de Siddhartha. Il ne savait que faire. Il s'interrogeait longuement, partait pour d'interminables parties de chasse, mais il restait très préoccupé, soucieux pour l'avenir de son enfant. Les meilleurs hommes médecines furent consultés, les plus éminents spécialistes furent demandés au royaume, les conseillers et tous les fournisseurs de bons conseils furent mobilisés. Pour essayer de ramener Siddhartha à la vie sociale, à son rang, à ses devoirs de futur roi, chacun y alla de ses avis, toujours plus éclairés les uns que les autres, de ses certitudes les plus lumineuses. C'était à celui qui proposerait la bonne adresse, la bonne recette, le remède de miracle. Mais la vie le plus évident. Celui qui revenait le plus souvent aux oreilles du roi était que, que ce n'était pas grave, que cela lui passera avec l'âge, et que d'ailleurs un grand tournoi se préparait en l'honneur de la belle Yoshadara. Son père, grand seigneur, cousin du roi Shudodana, pensait que Yashudara était à l'âge de se marier, et qu'il fallait lui trouver un prétendant. Oui, à cette époque, et bien plus tard encore, les très belles femmes étaient l'objet de la convoitise, du besoin de domination et des désirs de possession des princes et des seigneurs. Elles devenaient des prix à gagner, des enjeux pour des domaines à grandir, des paix ou des rivalités à entretenir. Yashodara était extrêmement belle et sage. Dans l'esprit de son père. Elle ne pouvait être donnée à n'importe qui. Et elle se devait d'être offerte au meilleur, à celui qui méritait de l'avoir. Est-ce que vous entendez ces mots À celui qui méritait de l'avoir. De leur côté, les conseillers du roi préconisaient le mariage du prince. Voilà ce qu'il lui faut. Une femme, un ou deux enfants lui redonneront le goût de la vie. Et dès lors, le roi ne pensa plus qu'au tournoi, qui devait régler tous les problèmes de son fils. L'histoire officielle rapporte que lors du tournoi, Siddhartha se conduisit en jeune homme accompli, digne de son rang, de l'éducation reçue. Il fut parfait par le courage et l'adresse. Il surpassa aisément tous ses concurrents, vous pouvez le deviner sans peine, Siddhartha gagna le concours et se maria avec Yashodhara. Nous savons qu'ils eurent un fils, Rahula. Et ce fut après la naissance de ce fils qu'à l'âge de 29 ans, Siddhartha renonça à la vie de prince pour se retirer et vivre en ermite durant six ans, dans la forêt. Nous pouvons nous demander quel a été le moteur, le levier, la force qui a poussé Siddhartha, envers et contre tout, à cette décision irrépressible. Je n'ai pas de réponse à cela. Je sens seulement que cet homme obéissait à une fidélité très ancienne à une loyauté envers une mission à accomplir. Sa vie, en ce sens, fut un accomplissement. Durant son séjour dans la forêt, durant ses six ans de retraite qu'il consacra à la recherche, à l'abnégation, au renoncement, et qui furent autant d'épreuves, de combats internes, il découvrit la méditation. Il a pris à s'auto-purifier par l'observation aiguë de soi, par une attention fine aux réactions de son corps, par une concentration et des exercices respiratoires. Il allégea son esprit de beaucoup de croyances erronées et inutiles. Par la méditation, en effet, l'esprit se lave, se décante, se débarrasse de l'incroyable pollution qui l'habite. Comment fut remplie l'existence de Siddhartha au cours de cette période? Il est difficile de l'imaginer aujourd'hui. Elle fut marquée du sceau de l'austérité, de la pauvreté, de la solitude, du froid et de la faim surtout. Il vécut en ne possédant rien en propre en se privant de tout, en rudisant ses besoins jusqu'à la limite de la survie, en s'infligeant peut-être les pires souffrances. Tels étaient les principes et les modes de vie des sanyas, c'est-à-dire des disciples, des chercheurs de vérité de ce temps, qui pensaient que les exigences et les besoins du corps empêchaient ou freinaient la recherche spirituelle. Et donc, qu'il fallait mortifier la chair en détruisant tous les désirs qui pouvaient en surgir. C'est durant cette période que Siddhartha changea de nom et prit celui de Shakya Muni. Durant six ans, réfugié quasiment nu dans la forêt, il surprit son entourage par sa constance et l'intensité de ses exercices. Six autres ermites partageaient avec lui la route, les offrandes reçues, le silence du recueillement, et tentèrent même de le suivre dans sa rigueur. Sakyamuni se croyait sur la voie qui devait le conduire à l'état de Bouddha ou d'éveillé, entendait surtout d'éveillant. Mais c'est par un tout autre chemin qu'il devait en fait atteindre cet état. En effet, d'infimes modifications transformèrent sa pensée, changèrent sa respiration, qui se fit plus lente ou plus rapide à la demande. Son esprit sembla s'ouvrir, devint plus large, plus profond, et surtout, se développer dans toutes les directions avec une sensibilité extrême. Tout cela opéra des bouleversements dans ses sensations et le prépara lentement à une nouvelle mutation de tout son être. Au bout de ces six années, il sentit que ce n'est pas par la privation que l'on peut accéder au meilleur de soi mais au contraire, par le respect et l'amour de son propre corps, et par l'engagement dans une relation libre vécue au présent avec tout ce qui nous entoure, il quitta donc la forêt, s'éloigna des six ermites, et dans une solitude plus ouverte, l'esprit dégagé, le regard tourné non seulement vers l'intérieur, mais prolongé bien au-delà de l'horizon, qu'il vécut enfin une expérience d'illumination. Il est difficile, sinon impossible de décrire ce qu'est une illumination, qui reste avant tout une expérience intime, très particulière et peu transmissible. Ceux qui l'ont vécu à non témoigner avec des mots à eux. Un maître que j'ai entendu dans ma jeunesse dira, j'ai rencontré la lumière et je suis devenu cette lumière. Plus rien ne me distinguait d'elle. Par la suite, j'ai nourri cette lumière de beauté et de connaissance. J'ai découvert que mes sens étaient conçus pour recueillir, amplifier la beauté pour la caresser, la respirer, la goûter, l'écouter, la contempler sans fin. Mon corps et mes sens sont devenus des distillateurs de lumière. La rencontre avec le beau est l'expérience la plus bienfaisante que nous pouvons nous offrir, nous les humains. Un autre m'a dit, L'illumination et l'expérience du tout dans une unité magnifique. J'étais ramifié à la lumière des étoiles, à la sève des arbres, au bruissement des feuilles, au cri d'un grillon. J'étais tout cela, non dans la toute-puissance, mais dans l'accord, dans l'harmonie de chaque vibration. Car la véritable connaissance permet d'accéder aux vibrations, de chaque chose, d'être porté dans l'onde du monde et de retrouver ainsi sa propre maison intérieure, de découvrir l'infini de la vie et l'étonnement d'être tout, d'être dans le tout. Avec mes mots à moi, je pourrais confirmer cet état d'unité, de réconciliation, de communion, je devrais dire, d'union profonde et authentique avec la totalité de l'univers. La question que s'était posée chez Kameni était, mais qu'est-ce que la vie L'illumination surgit quand il n'y a plus de différence, je le répète, entre la question et la réponse. Quand l'interrogation qui habite le chercheur et ce qu'il a trouvé se rejoignent à un point de convergence unique qui forme un tout si cohérent, si plein, si évident que l'unité fondamentale d'un être retrouvé je ne peux en décrire plus pour l'instant il appartient à chacun de sentir et de laisser vivre à l'intérieur de lui ce que pourrait représenter une telle expérience d'après la légende le bouddha trouva l'illumination près d'un figuier banyan appelé depuis l'arbre du bouddha à partir de cette découverte le Bouddha, appelé aussi l'éveillé, se mit alors en route pour témoigner, informer, enseigner à travers tous les pays qu'il traversait. Il parcourut le nord de l'Inde et enseigna qu'il était possible à chaque homme, à chaque femme, de faire un travail sur lui-même, d'apprendre à se respecter, à faire confiance à son ressenti intime, à se mettre en harmonie non seulement à l'intérieur de lui-même, mais aussi avec l'ensemble du vivant. Il fut ainsi pour beaucoup un éveilleur d'amour. À présent, je dois vous parler plus longuement des quatre fameuses rencontres qu'un enfantier d'Arta devait éviter à tout prix, quand il vivait dans le palais de son père. La première dont il fut le plus soigneusement protégé était la rencontre avec la maladie et surtout avec la souffrance liée à la maladie. Le roi Shudodana avait donné des consignes sévères de ne jamais montrer au prince Siddhartha les effets de la maladie ou d'un accident. Dès qu'un homme ou une femme du palais entré en maladie, il était aussitôt éloigné, mis en quarantaine, comme effacé. Ainsi, Siddhartha n'avait jamais eu de certitude quant à la durée et à la solidité d'une relation. Quand un serviteur manquait, quand un proche se dérobait, il était aussitôt remplacé. Tout le monde trouvait cela naturel, semblait croire que l'enfant Siddhartha pouvait reporter ses sentiments son affection sur le nouveau venu comme si les sentiments étaient interchangeables. Son père avait oublié que les enfants ont autant besoin d'être nourris et soignés que d'être sécurisés par la solidité, la continuité de relations affectives privilégiées, uniques et stables. Siddhartha fut imprégné de ces pratiques qui consistaient à faire disparaître quelqu'un de son entourage dès qu'il était malade, et cela développa en lui une insécurité latente qui s'inscrivit durablement, longuement, dans son cœur, dans son corps, et qui paradoxalement, peut-être, l'empêcha d'atteindre la sérénité. Pendant de longues années. Elles forgèrent ses représentations, ses croyances et plus tard marquèrent son devenir et son enseignement en ces termes. Pas d'attachement, pas de dépendance affective, pas de priorité dans l'amour et les sentiments, pas d'illusion sur l'unicité d'une seule affection. Contre l'amour individuel, le Bouddha prêcha l'amour universel, mais proposé, offert de façon unique à chacun. Un amour gratuit, sans troc relationnel, du type ⁇ je t'aime si tu es sage ou si tu ne me fais pas de peine ⁇ je t'aime si tu fais ce que je te demande ⁇ Le Bouddha enseigna un amour que chacun d'entre nous peut proposer à l'autre, sans attendre en retour, d'être aimé, aimé du seul fait d'aimer. Ce qui avait été aussi dissimulé à Siddhartha, c'est qu'il ne devait pas rencontrer les douleurs qui accompagnent la naissance d'un enfant, et parfois même sa perte, car, à l'époque, de nombreux enfants mouraient à la naissance, et aussi beaucoup de mères, comme ce fut le cas pour sa propre mère. La venue au monde d'un enfant était un événement chargé d'innombrables attentes et d'espoirs, mais représentait en même temps, chaque fois, un risque important, qui parfois menaçait la vie d'un couple, la structure d'une famille. Vous vous souvenez que la mort de sa propre mère, Maya Devi, lui avait été longtemps cachée. Durant les premières années de sa vie, il avait donc pris pour sa mère la femme qu'il élevait et qui était en fait sa tante. Lorsqu'il découvrit la vérité, il sentit en même temps combien la vie peut être aussi fragile que les certitudes d'une seule parole. Et plus tard, il développa dans son enseignement que si la vie est un passage entre deux réincarnations, elle est aussi une succession de naissances pour accéder à différents états de conscience, que nous ne cessons durant tout notre passage sur Terre de naître. Naître, c'est-à-dire accéder à des niveaux de compréhension, à des accords possibles toujours plus subtil et harmonieux entre ce que nous ressentons à l'intérieur et ce que nous rencontrons à l'extérieur de notre corps. La troisième des découvertes qui aurait dû être épargnée à l'enfant Siddhartha était la rencontre avec la vieillesse. Surtout lui éviter de rencontrer ses effets quand le corps se défait, se fane, se recroqueville en douleur ou en faiblesse, quand les traits ou les apparences se déforment, quand les pensées s'amollissent, quand les idées s'en mêlent, quand les mots de la vie se brouillent et se combattent, perdant tout leur sens, quand les gestes s'immobilisent et que la mémoire se tarit et assèche les rencontres. Au palais de son père, on avait éloigné tout sujet et toute menace autour du vieillissement. On veillait soigneusement à le protéger de toute rencontre avec des personnes âgées. On écartait toutes les personnes susceptibles de présenter les signes d'affaiblissement qui atteignaient les personnes d'un grand âge. Même les conseillers les plus dévoués et les serviteurs les plus fidèles étaient congédiés dès que leur corps accusait les marques et les empreintes des vieux jours. Tout s'était passé comme si on avait présenté à Siddhartha une vie fictive, copiée sur une réalité aménagée, reconstruite, totalement inventée, au fond, une vie coupée de la vie. Et plus tard, le Bouddha enseigna des chemins pour arrêter. Le cycle de la réincarnation. Il enseigna aussi comment prendre soin de son corps, comment faire un meilleur compagnon pour soi. Il invita chacun à vivre en accord avec son corps et à respecter chacun des âges de sa vie. La vieillesse devient honteuse quand elle dépossède celui qu'elle habite de sa dignité et de son autonomie. La vieillesse devient très vivante quand on accepte son corps tel qu'il est et qu'on prend soin de le respecter. Deuxième rencontre que ne devait pas faire Siddhartha était la rencontre avec la mort. Son père avait tellement souffert de la perte de sa femme qu'il avait voulu épargner à son fils de pareilles douleurs. Ce faisant, il ne savait pas qu'il isolait son enfant de la réalité de la vie. Tout principe vivant, tout être sur terre évolue change d'état, se transforme, contient en germe son propre aboutissement. Personne ne sait ce qu'est la mort, sinon que c'est un passage, une transformation ou une mutation pour accéder à d'autres naissances. La mort fait partie de la vie. Nous souhaitons tous en général qu'elle ne survienne pas de façon violente, ni aveugle, ni trop tôt. Ni peut-être trop tard. Nous la subissons dans une vie mal vécue, ou l'acceptons au crépuscule de l'existence, quand elle s'inscrit comme la fin d'un cycle de vie bien rempli. C'est d'ailleurs ce qui faisait dire à ma grand-mère qu'il vaut mieux mourir vivant que déjà mort. Dès l'âge de trente-cinq ans, Shakyamuni, le futur Bouddha, consacra l'essentiel de son temps à enseigner aux hommes comment ne plus entretenir souffrance et douleur, comment affronter le déroulement de l'existence en se comportant en sujet responsable, à l'acceptance de se voir comme partie prenante dans tout ce qui peut arriver à chacun. Il sut enseigner comment vivre la vie dans une rencontre avec le meilleur de soi. Il invitait chacun à se sentir conscient de tout ce qu'il éprouvait, à ne pas rendre autrui, le ciel ou le hasard, responsable de ce qui se passe à nous, à se sentir partie prenante de tout ce que nous réalisons, accomplissons ou ressentons. Le Bouddha fut vraiment un éveilleur de vie au sens le plus vrai du terme en permettant à chacun de découvrir ses ressources profondes en nous en s'appuyer sur le positif de l'existence le bouddha œuvra pour que chacun se sente en accord avec tout ce qui se passe à l'intérieur de lui avec ses sentiments ses perceptions ses émotions la doctrine du bouddha dans sa construction essentielle pourrait se résumer en trois termes. Délier, allier, relier. Délier dans le sens où tout processus de changement va nous séparer, nous différencier d'attaches, de croyances et de comportements liés à notre histoire. Mais pour changer, nous avons besoin d'allier de personnes ou d'événements qui vont être de repères, des balises, des points forts sur lesquels s'appuyer pour s'ouvrir et découvrir son altérité, c'est-à-dire son unicité, ses possibles, sa différence. La troisième étape sera de pouvoir se relier à la totalité de l'univers, de prendre sa place dans le grand ensemble. À ce niveau, l'être n'est plus séparé, il est dans le tout, il est le tout, la dualité a disparu. Le Bouddha enseignant comment se battre durant l'existence pour acquérir et appliquer une morale personnelle fondée sur le respect de soi et de toute vie. Il ne fut pas un adorateur de Dieu ou d'idole, il ne proposa aucun culte. Il ne promit aucun paradis, il fut simplement un chercheur de vie. Il enseigna la compassion en permettant à chacun de découvrir la parcelle d'amour universel qu'il recèle et qui ne demande qu'à être agrandie et offerte à l'ensemble du vivant. Il tenta d'apprendre aussi que notre tête est souvent trop pleine de pensées négatives qui pollue nos relations les plus proches et empoisonne une grande partie de notre existence. Nous vivons la plupart du temps sans même nous en rendre compte avec des pensées, des idées qui nous alourdissent, nous encombrent, nous réduisent, nous polluent. Nous tuons notre vie avant même de mourir quand nous engrangeons et accumulons trop de rancœur de ressentiment, de colère. Le bouddhisme propose une façon d'être et de vivre en accord avec soi-même. Celui qui s'est arrêté le déroulement intérieur des pensées négatives, aujourd'hui on pourrait dire son cinéma personnel, qui s'est stoppé le défilement parasitaire des sentiments et des pensées malsaines, peut s'ouvrir enfin au recevoir, accueillir l'imprévisible, honorer le bon et la beauté de la vie. Et par la même, il peut se relier au possible de la vie en amplifiant tout ce qui vient à lui, quoi qu'il lui arrive. Car tout a un sens, et d'entendre le sens d'un événement permet de mieux se positionner d'être plus entier face aux événements et plus vivant face aux circonstances. Chacun peut ajouter à cela l'énergie de l'amour, énergie universelle, inconditionnelle, reçue par tous si nous savons l'accueillir. Cette énergie, insouciante des apparences et des modes, cette énergie est semblable à un fleuve dont les berges sont l'humanité. Elle est offerte et accueille chacun, quand l'esprit et le corps sont épurés de toute peur, quand les gestes ont chassé les stéréotypes, quand le lâcher-prise ouvre grandes les portes de l'abandon et de la confiance. quitta son corps terrestre dans sa quatre-vingtième année. Il passa du côté de la lumière et entra dans le partage de tout ce qui existe. Il y a dans l'existence de tout enfant une tranche de vie que j'appelle le temps du paradis. Il peut s'agir d'un lieu, d'un espace, d'une période où l'air n'a pas le même goût où la consistance du sol est plus moelleuse, où chaque geste, chaque rencontre a des prolongements imprévisibles et étonnants. Pour Siddhartha, ce fut autour de ses huit ans, quand il découvrit la maison de sa grand-mère, celle où il aurait dû naître, comme vous vous le rappelez peut-être, une maison orientée plein sud. Elle était une sorte de forteresse, mi-ferme, mi-château, au-dessus d'un abîme de rochers et de torrents, sur un des contreforts de l'Himalaya. Il gardait, au souvenir de cette maison, des images fortes et des sensations puissantes aux vertus magiques sur lesquelles il pouvait enfin prendre appui dans les moments difficiles de son enfance. Il y puisa, tout d'abord, un sentiment de liberté totale, cette liberté qui donne des ailes, qui permet de courir, de se baigner dans une rivière bouillonnante ou simplement de regarder de participer aux gestes simples de la vie quotidienne il savait qu'il y avait là un lieu où se ressourcer un point d'ancrage et plus tard lors de son séjour si difficile en fourré avec les six ermites dans le froid l'abstinence et la faim il s'évadait par la pensée et pouvait se plonger nu dans le torrent bleuté des rires de son enfance. Un autre point d'ancrage important dans sa vie, vous avez dû le sentir, fut sa relation avec Chatria, le jardinier. Celui-ci avait été dans sa jeunesse un guerrier exemplaire. Il avait participé à de nombreuses campagnes et conquêtes du roi. Un jour, il avait reçu une vilaine blessure à la jambe droite. Il en gardait une légère claudication. Puis pendant quelques années, il avait été Sanyas, c'est-à-dire pèlerin sur les routes de l'Inde, chercheur de vérité, ne vivant que de la charité publique. Sur ce chemin, il avait rencontré l'amour de Loxy, une jeune Indienne aveugle. Pour elle, il renonça à sa recherche personnelle. Avec deux enfants à nourrir, il prit le poste de jardinier principal, au palais du roi Chuchodana. Et c'est là qu'il put s'occuper et rencontrer, établir une relation vivante, chaleureuse, bienveillante avec Siddhartha. Un jour d'ailleurs, celui-ci lui demanda, Mais qu'est-ce que c'est que le travail Chatria, à son habitude, soupira, continua de bêcher, d'activer ses mains, puis il répondit, il y a deux sortes d'énergie qui nous poussent à travailler. Celle issue du pouvoir et celle issue de l'amour. L'énergie du pouvoir donne à ceux qui en ont le sentiment qu'ils peuvent augmenter ainsi leur puissance. Celle qui nous vient de l'amour s'offre pour décupler nos ressources. Cette énergie est une offrande à ce que nous aimons, femmes, maris, enfants, parents. Le travail est une noblesse quand il n'est pas dévoyé par la soif de puissance. Dans les derniers mois de son passage sur terre, le Bouddha se souvint aussi des confidences que lui fit Padma, sa très vieille nourrice, au soir de sa propre vie. Ce n'est qu'au troisième jour de ta naissance qu'arriva Ashita, le plus sage parmi les sages. Il avait quitté sa solitude, était descendu des vallées profondes de l'Himalaya, où il vivait reclus depuis plus de cinquante ans. Nul ne sut comment il avait appris ta naissance. Un matin, il fut là et se dirigea vers l'endroit où tu dormais. La foule des serviteurs, des soldats, des conseillers, et bientôt le roi et la reine le suivirent en silence. Lui, avancé, sec et tourmenté comme un amandier desséché par le vent du sud, sans une parole, bien sûr, car il avait fait vœu de silence. Quand il s'approcha de toi, il ne déposa pas de mots comme les autres sages. Il te prit dans ses bras, qui certainement n'avait jamais touché d'enfant de sa vie. Il te regarda, et toi aussi tu le regardais de tous tes yeux. Il te contempla longuement, puis se mit à pleurer doucement, doucement. Ton père et ta mère furent inquiets, craignant que le sage assitât, N'ai vu quelques troubles et difficultés à venir pour toi. Il pressa Rassita de dire ce qu'il avait vu ou senti. Et le vieil homme parla. Pour la première fois depuis près d'un demi-siècle, les mots sortirent clairs et légers de sa bouche. Je pleure de joie mêlée à de la tristesse, mais à une tristesse douce. Ce que je cherche depuis si longtemps dans le silence par la méditation, par le jeûne et les exercices physiques les plus éprouvants, la sagesse, la sérénité, l'amour qui met fin à la souffrance, tout ce que je cherche encore, cet enfant, un jour, l'enseignera et l'apprendra à chacun. Car il porte déjà en lui suffisamment d'amour, d'humilité, mais aussi de rigueur et d'exigence pour montrer le chemin à tous ceux qui l'écouteront, à tous ceux qui souhaiteront entrer dans son enseignement, car il n'imposera jamais rien, n'énoncera aucune obligation, ne créera pas de loi, ne dictera pas de prière, il dira seulement, il y a un chemin possible en toi pour te permettre de rencontrer le meilleur de toi, et offrir ainsi ce que tu découvres à d'autres qui l'offriront à leur tour. Ton fils, au roi, au reine, peut devenir un grand roi. Il peut devenir aussi un sage qui ne possédera jamais rien d'autre que la lumière qui brûle et qui brille en lui. Padma, sa nourrice, avait alors ajouté à ce moment-là. Asita te déposa en ton berceau et aucune invitation. Aucune supplication de tes parents ne les firent ouvrir la bouche à nouveau. Il quitta le palais et ne revint jamais. Arjuna, ton précepteur, dit qu'il mourut quelque temps après, le visage couvert de pleurs. Il était désespéré d'être trop âgé et de ne pouvoir prolonger sa vie pour suivre ton enseignement. Ainsi, dans les derniers jours de ce passage sur la terre, se mêlèrent bientôt tous les éléments de la vie de Siddhartha, non dans un mélange confus, mais comme les millions de millions de gouttelettes d'eau d'un même océan, chacune unique et entière, et cependant toutes reliées et formant l'ensemble et l'unité de la mer. Et si un jour vous vous interrogez, vous qui m'écoutez, où sont les éveillés aujourd'hui, où sont les hommes et les femmes qui ont trouvé sagesse, illumination et peut-être la libération du cycle des vies, où sont ces chercheurs de vérité qui ont su irriguer le réel de leur réveil Oui, si un jour vous vous interrogez, vous aurez peu de réponses. À toutes vos questions, et votre quête risque d'être longue et difficile. Peut-être trouverez-vous un maître qui vous accompagnera un bout de chemin. Peut-être serez-vous à votre tour un maître qui approchera au plus près la liberté d'un autre pour lui permettre de s'aimer à son tour. Peut-être vous la serez-vous, et retrouverez-vous le désir de vivre sans vous poser trop de questions. Quoi qu'il en soit, cela sera votre voix sur ce chemin qui vous a conduit quand même à écouter ces quelques propos aujourd'hui sur l'enfance d'un maître. Avant de vous quitter, j'ai tenté encore d'imaginer quelles ont été les dernières paroles du maître dont je viens de raconter l'enfance et un peu de la vie. Et maintenant, dit le Bouddha à ses disciples au moment de mourir, à tous ces hommes, à toutes ces femmes rassemblées, muets dans leur émotion et lumineux de sa présence ultime, et maintenant, à l'avenir, soyez votre propre lumière, soyez votre propre maison, soyez le vivant de la vie. Ne cherchez pas d'autres richesses que celle de l'amour à donner à recevoir n'allez en quête que du meilleur de vous-même osez osez car le possible est un tout petit pas après impossible